Saint-Aubin. Ah ouais? Oui. Village de la musique, hein? Bonjour à toutes et à tous, chers confrères, chers consoeurs, bienvenue à Courtil pour ce quatrième chapitre de la confrérie des petits loups de Gouvy. Chapitre spécial, mais chapitre quand même. La plus jeune confrérie de la province de Luxembourg vous a préparé un chapitre virtuel afin de vous aider à passer ce cap difficile pour tous, mais également pour les confréries dont le mot d'ordre est la convivialité et l'amitié. J'espère que cette petite demi-heure que nous allons passer ensemble vous aidera à penser une partie de ces mots. Installez-vous confortablement, dégustez une excellente lupulus et venez avec nous à la découverte des petits loups. Oui, dans le temps, on faisait des votes, les grands-mères qui n'aimaient pas que les beaux-fils viennent voir leurs filles, parce qu'elles les choisissaient dans le temps. Hein. Alors elles faisaient des votes, ça voulait dire discrètement qu'elles ne devaient plus revenir. On rappe dès qu'on vire, donc tu dis on vire rap, hein. On rappe, on pose la taf. Hein. Mais en nouvelle rap, tu fais des turles tutu. Hein. On rappe, on rappe. Alors on se gâte un peu la. Qu'est-ce qu'il vous dit? La pulpe, hein, qui essaye assez grossir quand même, parce qu'elle s'y défraîne de toute façon dans la marche. Alors à ça, on y ajoute de l'essai, des œufs, et on boit de la farine. Et on mâche comme il faut le laouer. Et après, on prend une pelle dans laquelle on va faire fondre quelques petits curtons. Si on prend de l'art gras, ben on rajouterait pour en graisse, mais si on prend de l'art maigre, il faudrait absolument rajouter une petite moquette de sel doux. Parce que sinon les petits lardons ils crameront et on aurait un bon résultat. Et puis on viderait une bonne lose de laouet sur les petits curtons. On les recuire comme il faut à bon côté et puis on la retournerait et on lâcherait de l'autre côté. C'est un peu rajouter de crache hein, parce qu'il en est déjà pris. Et puis quand elle est cuite, ben voilà, cerveau d'un coup, avant une bonne bière, une lupulus, va un bon sopi. Et si elle ne meurt pas de moins, elle sera encore bien. À la bonne force ! Le moment est venu de débuter notre chapitre, le premier, sans notre grand maître 91, Alain, légèrement souffrant, à qui on souhaite un prompt rétablissement. On lui fait un coucou, il nous regarde sans doute de chez lui. Il sera remplacé sympathiquement par Anne, la grande baillie. Chers confrères, chers consoeurs, chers amis de la confrérie, merci à toutes et tous de nous faire le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui en cette belle journée, même si atypique. C'est avec un plaisir non dissimulé et surtout un immense honneur que je prends la parole pour la première fois en tant que grande baillie, et ceci de façon virtuelle, je suis donc ébahie. Je remercie d'ailleurs la confrérie pour la confiance qu'elle m'accorde, ou pas. Comme quoi, soudoyeux à coup de vote à le rappel et de lupulus, ça paye. J'aurais préféré avoir le plaisir de vous revoir en présentiel, mais ce n'est que partie remise, nous mettrons les bouchées doubles l'année prochaine. En cette année particulière, nous avons tenté de nous adapter en vous proposant un chapitre virtuel. Cela ne remplacera bien évidemment pas le côté humain, mais nous espérons comme cela nous rappeler à votre bon souvenir.
Comme notre grand scribe vous l'expliquera plus amplement plus tard, ce chapitre sera l'occasion de procéder à 3 nouvelles intronisations. Mais elles ne seront finalisées que lorsque la confrérie pourra se réunir lors de jours meilleurs dans l'ambiance conviviale qui caractérise les confréries. J'ose espérer que vous vous portez toutes et tous bien et que nous aurons bientôt le plaisir de nous revoir. Aujourd'hui, nous avons une pensée pour tous nos amis restaurateurs, cafetiers, traiteurs, un monde indissociable du monde des confréries. Je vous invite maintenant, comme nous l'a dit notre ami Manu, à vous installer confortablement avec une lupulus de préférence, une Vautal Rapeille. D'ailleurs, entre nous, une rumeur locale raconte que l'Agence européenne du médicament est en train de la valider comme sûre et efficace. Chut, c'est encore un secret. Alors, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à ce chapitre. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de votre confrérie. Je déclare ce 4e chapitre ouvert et je passe maintenant la parole à Madame Véronique Léonard, bourgmestre de Gouvy. Bonjour à toutes et tous. Mesdames et messieurs, depuis un an, nous vivons un contexte un peu particulier qui nécessite de nous adapter et de nous réinventer. Le mois de mars est habituellement celui de notre rendez-vous dans le cadre du chapitre de la confrérie des petits loups. Et aujourd'hui, cette rencontre a lieu dans un style réinventé. En tant que bourgmestre de la commune de Gouvy, je remercie les membres de la confrérie pour leur initiative. Ce moment nous donne en effet l'occasion de nous évader un petit peu dans ce contexte particulier. Pour notre commune, l'action de la confrérie permet de mettre en valeur notre patrimoine, notre territoire, au-delà des frontières, de faire connaître notre région et la traditionnelle Vautal Rapeille, évidemment agrémentée d'une petite lupulus. La confrérie prend tout doucement sa place dans le tissu local et j'en suis vraiment ravie. Je ne peux que leur souhaiter de continuer leurs actions et leur développement au sein de notre commune. À chacune et chacun d'entre vous, je souhaite un agréable moment en compagnie des petits loups. Merci Madame la bourgmestre Véronique Léonard. J'appelle maintenant André Malarme, président du Grand Conseil Noble. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, bien le bonjour. 5 ans. 5 ans déjà, le temps passe vite. Il y a 5 ans, je me trouvais déjà ici afin de porter sur les fonts baptismaux cette nouvelle confrérie. Quelques membres au début de cette belle aventure, mais qui ont fait beaucoup de petits depuis. La province du Luxembourg, une ardeur d'avance, cela pourrait aussi être votre devise. Présent dans de nombreuses manifestations, vous ne ménagez pas vos efforts pour défendre haut et fort vos Vautal Rapeille et votre lupulus. Je suis très fier que de nouvelles confréries voient le jour, mais surtout très fier qu'elles perpétuent des traditions, du folklore, des coutumes d'antan, et que ce partage perdure à travers le temps. L'année écoulée a empêché toute sortie, mais la volonté de se retrouver reste intacte. J'en veux pour preuve ce chapitre en virtuel. Tout le monde a envie de garder ses contacts et de se retrouver en toute sécurité. Gardons tous espoir et donnons-nous rendez-vous l'an prochain en présentiel. Voici donc un lustre que cela existe pour cette belle confrérie. Et soyons confiants, vous allez encore nous régaler de vos bons produits pendant quelques décennies encore. Félicitations donc pour ce parcours réalisé pendant ces 5 années et bonne continuation pour la suite avec vos Vautal Rapeille. Merci André. Les Vautal Rapeille, la spécialité culinaire de la confrérie des petits loups, dont la recette et la préparation vous sont présentées par le grand maître Alain au fourneau et le chef Jean-Philippe Wateigne, un extrait de l'émission des ambassadeurs à Gouvy sur la RTBF. Salivez les amis, salivez! Cette fois-ci, c'est pas moi qui fais la recette, hein. Je vais apprendre. Faut que tu m'expliques cette crêpe, comment on appelle ça? Ben, ici dans la localité, on appelle ça des Vautal Rapeille, donc des crêpes aux pommes de terre râpées. Des Vautal Rapeille. Vautal Rapeille, oui. Des Vautal Rapeille, ok. Ça se passe comment? Bien, tu vas me dire. En général, très bien. Bon, j'attaque les lardons, j'enlève la couenne. Hein. Oui, et puis on coupera les petits cartilages aussi, j'imagine. On les mange rarement. Oula. Moi, je m'occupe des pommes de terre pendant ce temps-là. Ok, donc pommes de terre râpées assez gros, je pense. Oui. Et bien voilà, les pommes de terre, nous allons les presser pour retirer le jus. C'est vrai qu'au moins, ça concentre l'amidon et ça colle mieux après dans la préparation. Donc maintenant que les pommes de terre sont râpées, on va mettre des œufs.
Tu l'as donc, je le fais revenir. Oui, avec du saindoux. Ça donnera un meilleur goût. Tant pis pour notre régime. Un, quatre. Je pense que c'est du bon lard ici. Voilà. Hein, ça sent bon. Hein. Voilà, et pour terminer, un petit peu de sel. Et ensuite, on va mélanger. Il faut que ce soit assez aggloméré. Assez, ou... assez aggloméré, compact, oui. Tu sais ce que je ferais, moi? Non. Juste pour la touche de la confrérie. Ah oui, petite goutte houblonnée. Hop là. Très bien. Voilà, un peu de lupulus. On met d'abord les lardons avec une petite loquette de saindoux. Et oui. On va étendre un peu sur les côtés. Ah. Voilà. Eh bien, c'est pas trop mal pour une première. Tu te débrouilles bien quand même, hein? Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai prévu une petite surprise. La deuxième du jour. La deuxième, ouais. Avec le safran, je vais faire une panna cotta. J'ai mis 1 litre de crème ici. J'ajoute un peu de safran. Je vais ajouter du sucre. Alors ça, c'est hyper important pour l'agar-agar. Il faut bien le mélanger et il faut absolument qu'après le liquide passe les 80 degrés. Sinon, le gélifiant ne démarre pas, tu vois. Donc, on est en ébullition, on est sûr qu'on est bon. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Anne, au safran ardennais, fait aussi des myrtilles. On va en mettre quelques-unes dans le verre, verser la panna cotta dessus. Ben voilà, c'est coulé. Maintenant, on va les mettre au frigo une vingtaine de minutes et puis on accueille Hermel pour la dégustation. Dis, ça a l'air beau tout ça. Ah ben là, on est vraiment dans le local. Hein. On a fait, comment t'appelles ça? Des votal râpées. Des votal râpées. Des crêpes aux pommes de terre râpées. Oui. Des votal râpées. Tu vois, j'arrive à bien le dire. Hein, pas mal. Des votal râpées. Votal râpées. Donc, c'est une sorte de galette crêpe de pommes de terre râpées, mm-hmm. avec du bon lard fumé d'ici. Un petit peu de farine que tu nous as ramené d'ailleurs. Je vois qu'elle est arrivée à bon port en tout cas. Je suis contente. Voilà. Je l'ai trouvée. Un petit peu de saindoux pour être sûr que ce soit bon. Et des œufs, hein. Et voilà. Des œufs, et un peu de lait. Ça tient au corps. Ça tient au corps, c'est... C'est local. C'est le... Ah, Guy, je t'en prie. L'accompagnement... Les hivers sont froids. Hein. L'accompagnement idéal. Ouais. L'accompagnement idéal pour une bonne lupulus. Bon, maintenant, t'as mis de l'eau parce que sinon, après, tu danses sur les tables. Voilà, vous avez découvert notre produit solide. Place maintenant à notre produit liquide, la lupulus, brassée en ces lieux mêmes. Alors, grand gousteur, nous avez-vous préparé une bonne vôte à la rapeille ainsi qu'une bonne lupulus? Absolument, grande bailli. La vôte d'El rapeille, cuisinée la veille, comme le veut la tradition ancestrale, et réchauffée le jour même, rien de tel et d'autant meilleur. Pour accompagner ce mets, mais rien de tel aussi, une bonne bière blonde d'Ardennes triple, qu'est la lupulus que l'on va déguster actuellement. À la bonne vôtre. Cette année, encore un grand cru. Année exceptionnelle, année de Covid, mais chapitre quand même pour la confrérie des petits loups. Nous avons tenu en tout cas à être avec vous lors de cet événement. Bien sûr, pas en présentiel, uniquement en distanciel et par le son et l'image d'une caméra. Mais c'était important en tout cas pour nous d'être avec vous. Ce chapitre, nous ne le tenons pas dans sa formule habituelle. Nous avons juste cette année voulu vous présenter les différentes étapes d'une vie au sein de notre confrérie. Dans un premier temps, nous aurons l'occasion de remettre la médaille à Isabelle, qui est intronisée cette année. Ensuite, c'est à Aurélie que nous allons pouvoir remettre l'épitoge après une année déjà de médaille au sein de notre confrérie. Et enfin, c'est Roger qui pourra revêtir notre toge et qui deviendra maintenant vraiment le membre actif de notre confrérie des petits loups de Gouvy. Notre nouvelle médaillée se prénomme Isabelle. Isabelle a vu le jour à Lomré, petit hameau de la commune de Gouvy. Lomré est entouré de forêts dans lesquelles elle aimait se balader dans sa jeunesse. L'histoire ne dit cependant pas si elle y a vu le loup. Oh. En 1993, jeune diplômée en kinésithérapie, elle installe son cabinet à quelques encoblures de là à Cherin, où elle exerce en tant qu'indépendante jusqu'en 2017. En 1994, qui naît à l'IMP, l'Institut médico-pédagogique de Montfalise, elle travaille avec des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale et porteurs de polyhandicap. 2 ans plus tard, en 1996, elle épouse Benoît Lejeune, épitogé de notre confrérie. Des noces d'argent à célébrer dignement cette année.
suivant la formule consacrée, quatre possibles futures petites louves, âgées maintenant de entre 16 et 21 ans, sont venues égayer ce joyeux foyer. Isabelle est sportive, suivant son humeur, elle alterne natation, marche nordique et sport d'hiver. Au niveau professionnel, sa grande passion est l'hypothérapie. Une fois par semaine, elle fait des séances de thérapie dans un manège avec les enfants de l'IMP. Le but n'est pas de monter à cheval, mais d'être dans le moment présent, à l'écoute de l'enfant et faire preuve de bienveillance pour l'aider à s'épanouir au niveau de la communication, de la socialisation, de l'autonomie, de la motricité et enfin de la confiance en soi. Résidant dans la commune de Gouvy, Isabelle soutient comme il se doit la basse fille Lupulus, qui la remercie d'ailleurs pour sa contribution à son chiffre d'affaires. Merci. À toute occasion, elle se fait une joie de faire l'éloge du divin breuvage et d'en offrir à ses invités sous la forme que nous lui connaissons, mais aussi en cuisine. Comme le dit sa fille Lucie, Isabelle ne fait pas que boire la Lupulus avec son ami Modération, elle la mange aussi. Reste maintenant à accompagner la boisson avec le plat ad hoc, les fameuses Vautal Rapeil. Sa marraine Lucille, si tu nous regardes, se fera une joie de lui inculquer la vautitude requise pour les cuisiner dans la plus pure tradition locale. Eh bien voilà Isabelle, j'ai le plaisir maintenant de te faire goûter nos produits que tu connais déjà. Je t'invite à goûter la Vautal Rapeil que tu as fabriquée toi-même. Et donc, vas-y, tu peux maintenant la déguster. On peut enlever le masque. Qu'en penses-tu ? Ah, elle est très bien faite. Elle est très bien faite. Vraiment très bonne. Je comprends, tu as l'habitude déjà d'en préparer. Après ce morceau de Vautal Rapeil, je t'invite à goûter également notre divin breuvage, la Lupulus. Santé. Santé à toi, Isabelle. Toujours aussi bonne ? Toujours aussi bonne. Eh bien, tant mieux. Malheureusement, nous ne pouvons pas te passer la médaille autour du cou. Elle est là. Nous t'inviterons, après cette petite présentation, à la passer toi-même autour du cou, vu les conditions sanitaires du moment. Aurélie a 30 ans. Elle est d'origine liégeoise, ouvetée. Mais elle aime la nature. Tu m'étonnes avec un compagnon comme Sébastien, enfin, en l'occurrence, mon frère. Sébastien, si tu nous regardes, on t'aime. Pauvre de moi. Son amour de la nature l'a convaincue de venir s'installer à Longchamp depuis quelques années maintenant. Il est donc logique pour une personne habitant aussi près des bois d'aimer les petits loups. C'est son côté sauvage qui ressort. Elle est maman d'une petite Laura. Elle est employée au Knof à Pommerloch, là. D'ailleurs, gardez-le pour vous. Mais son but ultime dans la vie est de commercialiser la Vautal Rapeil au Knof à Pommerloch. Mais gardez-le vraiment pour vous, c'est encore un secret. C'est avec passion qu'elle jongle entre sa vie de famille, son job et son hobby, le rallye automobile. Et le plaisir de découvrir la gastronomie, dont bien évidemment les Vautal Rapeil et la Lupulus font partie. D'ailleurs, elle s'est proposée d'inviter sa marraine d'ici peu pour lui faire déguster de délicieuses Vautal Rapeil et Lupulus. Sa marraine, au cas où vous n'aurez pas compris, c'est moi. Aurélie aime beaucoup les rencontres et les belles histoires. C'est pourquoi, quelques années plus tôt, lors de la préparation des légendes boucles de Bastogne, elle s'est retrouvée en compagnie de sa dévouée, marraine, pour débriefer autour d'un divin breuvage dont nous tairons le nom. Attendue pour un souper et n'arrivant point, Aurélie et sa comparse n'ont rien trouvé de mieux que de simuler une crevaison de pneus. Entre nous, c'est Steve McQueen qui les aurait dépannés. Aurélie n'hésite pas à faire la promotion de nos délicieux mets, et pousse à la perfection le cri du loup. Aurélie, on t'écoute. Bienvenue chez nous, Aurélie. Merci. Eh bien, Aurélie, après cette charmante présentation, je t'invite maintenant à goûter la Vautal Rapeil que tu as préparée toi-même, signe de notre confrérie en tout cas. Je t'en prie. Merci. Voilà, un petit bout suffit. Et je t'invite maintenant à passer à notre divin breuvage. À ta santé, Aurélie. Santé. Et bien maintenant, comme tu as passé ton année en tant que médaillé, je t'invite à porter
notre épitoge et signe que tu es la bienvenue vraiment dans notre confrérie. Donc voilà, nous allons accueillir Roger au sein de la confrérie en tant que nouveau togé. Donc Roger nous vient du village de Sierreux dans la commune de Gouvy, qu'on appelle assurément les cailloux de Sierreux, c'est ça. Donc Roger est connu pour avoir bon caractère ardenné bien que chez nous. Donc Roger travaille dans le secteur bancaire au Luxembourg, marié, heureux papa de 4 enfants, c'est bien ça? Oui, grand-père aussi. Grand-père, félicitations, oui. Peut-être un futur petit loup. Qui sait. Il l'est déjà. Voilà. Donc Roger fait partie de différents comités ici dans la région de Gouvy. Il est actif dans différentes organisations de sa commune en tant que secrétaire, trésorier ou président. Il organise par exemple des concerts rock, pop, jazz dans un monde idéal, on va dire. Il est également président du comité de jumelage de Gouvy-Suze-Larousse. Voilà, ça c'est bien ça. Et aime représenter les saveurs de la lupulus et de nos veaux d'Alrapeil. Eh bien Roger, après cette charmante présentation, je t'invite à goûter notre veau d'Alrapeil que tu as confectionné toi-même justement. Vas-y, je t'en prie. Merci. Voilà, un petit bout suffit évidemment dans ces conditions. Qu'en penses-tu de ta préparation ? Magnifique. Magnifique, évidemment. Magnifique. Et donc, à cette préparation, nous t'invitons à goûter la fameuse lupulus, notre divin breuvage. À santé. Ta santé, Roger. Merci. À la bonne vôtre. Santé. Toujours aussi bonne ? Toujours aussi bonne. Toujours aussi bonne. Et bien maintenant, malheureusement, nous ne pouvons pas, Françoise et moi, te revêtir de la toge de la confrérie des petits loups, mais nous t'invitons d'ores et déjà à la porter, à la prendre et à la porter toi-même. Vas-y. Merci, Roger. Parce que... Eh bien Roger, j'ai le plaisir maintenant de t'accueillir comme togé dans la confrérie des petits loups de Gouvy. Félicitations Roger. Voilà, notre chapitre virtuel touche à sa fin. Nous tenons à vous remercier d'avoir été si nombreux à nous visionner. Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain et d'ici là, portez-vous bien. À la bonne vôtre ! À la bonne vôtre ! Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Vous nous manquez et on espère vous revoir bientôt et en tout cas l'année prochaine pour fêter nos 5 ans en présentiel. D'ici là, on vous propose de retrouver quelques photos souvenirs des années précédentes. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Thank you.
c'est les coups du pont du Kimban. Cantulou, matulou, l'appello, idili, sort du ring, c'est les coups du pont du Kimban. Thank you.